Dans tes changements d'incurvation, tu te rends comment? En vrai, je commence par faire tourner la tête, les épaules et tout, et incurver. Et comment on fait tout ça? Je suis à main droite. Je vais changer d'incurvation. Je fais quoi? Dans l'ordre. Premièrement, je fais quoi? Deuxièmement, je fais quoi? Non, tu regardes où tu vas tourner. Je regarde où je vais. Tu dis à ton je mets mon poids du corps. De quel côté? Tu peux aller du corps où tu veux tourner. Ok. Pour lui dire, voilà, et là. Tu tournes là, quoi. Enfin, pour lui dire, voilà, sans tirer dessus, juste en avançant. Et après, tu sens tes talons. Lève ton menton. Ok, là c'est pas mal. Attention, il faut pas que l'antérieur gauche passe devant le droit. Sinon, ça veut dire que les épaules foutent le camp, t'es d'accord? Ouais. Et là, c'était le cas, hein. Avance, avance. Ne bouge pas ta main gauche. Ta main gauche, à chaque foulée, elle descend. Fixe dans tes mains. Et hop, t'inverses. Ne baisse pas ta main gauche, sinon le cheval remonte. Garde tes doigts ajustés sur les rênes. Pense à ce que je t'ai dit, à ta menace. Ne le pousse pas avec tes fesses. C'est à lui à se porter en avant. C'est pas à toi à le porter. Voilà, fixe-toi des repères visuels. Oui, bien. Très bien. Très bien. Garde l'incurvation, jambe droite, fais gaffe. Avance ta jambe droite, fais gaffe. Ne fais pas les jambes isolées. Et tu vas venir me voir. Raccourcis-toi. C'est pas mal ça. Tu vois que tu arrives à faire le changement d'incurvation sans qu'il s'ouvre maintenant. Très bien. Marche. Et tu fais un arrêt. Fais le CD sur ta reine gauche et ton dos. Ne baisse pas tes mains. Tu vois, à chaque fois que tu dois intervenir, remonte sur tes reines. Ouais. Si tu fais ça, il fait ça. Il faut que tu aies le sentiment de le pousser sur son mort en permanence. Droit sur sa courbe, par exemple, et qu'il n'ait pas les épaules, les hanches à l'intérieur, les épaules à l'extérieur. Bon, là je vais faire des trucs, mais là c'est photo, il faudra pas. Il y a la différence entre la jambe isolée et la jambe au centre. La jambe au centre, c'est là. Oui, mais au niveau de l'incidence que ça peut avoir sur la locomotion du cheval. On ne pousse pas le même endroit. L'équivalent de la reine d'appui pour les hanches, c'est quoi? La jambe isolée. La jambe isolée, elle pousse les hanches du côté opposé à son action. La jambe au centre. Si elle pousse. Non, tu baisses trop ta main gauche. Tu vois, il s'est ouvert là. Pourquoi? Parce que t'as fait ça. Non, regarde, toi t'es comme ça. J'arrive ça. Pas à raccourcir les mains, sinon je prends les bras. Non, viens voir. Viens voir. Regarde, quand tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux augmenter la tension sur tes reines? Tu fais ça. Il suffit d'un moment que tu mettes tes mains là et que tu raccourcis. C'est comme le coup de la reine. Porte tes mains. Il y a les mains bloquées vers le bas, les mains basses et les mains hautes. Moi, je veux des mains basses. Ça, c'est des mains bloquées vers le bas. Ça, c'est des mains basses et qui sont vers la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en plus, si tu fais ça, hop, tu bloques tes épaules aussi. Tac! Là. Voilà. Ajuste tes rêves. Voilà. Ça existe. Pas, parce que souvent, quand tu le fais à l'arrêt, voilà, là, c'est super. Quand je suis au trot, le problème, c'est que tu descends un peu plus. J'ai l'impression de tirer dessus. Faut vraiment que tu agis jamais avec tes doigts sur les rênes. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu verrouilles, tu mets du poids, tu verrouilles, hop, il s'allège, il cède. Verrouille, 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 verrouille. Cède. Hein? Ne laisse pas tes rênes se rallonger. C'est une question de dosage. Le problème de l'équitation, c'est sinon il s'ouvre. Et tu regardes bien devant toi. C'est bien ça. Très bien, regarde devant toi. Prends pas ta barre. Excellent. Tu changes de main.
d'abord, hein. Okay. Tu mouilles dans tes doigts et tu penses à avant, à garder devant toi. Ton dos, le regard, attends ton saut, ne pointe pas devant. C'est pas mal. C'est pas mal. Laisse passer, ne dure pas devant, laisse passer le regard. Allez, laisse bien passer devant, ne plante pas tes mains vers le bas. Garde tes mains en pause. Voilà, mieux là. Beaucoup mieux. Bon. Un petit peu devant sur le premier. Tu penses bien à attendre ton saut sur numéro 1. Voilà, je ne montre pas plus que ça. Hein. Ouais, non, mais là, franchement, la hauteur, c'est un peu mal. Ah bon, d'accord. Ah bon, bah. Je veux dire. Je suis concentrée sur mes mains en fait. C'est bien, mais t'as raison. Tu sors, regarde le ciel. Hein. Le regard. Attends tes épaules. Maintenant, tu tiens trop. Il faudrait que tu tiennes beaucoup moins que ça. Pas de contact. Là, c'est très bien. Reste plus en place de loin. Là, tu as les mains qui ont bougé, tu n'as pas bougé. Le haut du corps en place. Ne bouge pas. Le regard. Lâche-le. Allez, c'est bon. Bon, il va falloir quand même que j'y travaille. Certes. Non, 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 ça va. Non, non. Parce que je sais qu'il passe. Ça m'aide, ça. Voilà.